Eh bien, nous nous retrouvons donc pour l'épisode 8 de Décision médiévale. Et donc, comme je l'ai dit à l'épisode précédent, nous allons débloquer cette zone. Alors, de quelle partie à prendre de là où il y a le moins de menaces, donc c'est-à-dire ici. Voilà. On va déblayer la zone. J'appuie sur Z, il me semble. Je fais des petites pauses hein, parfois. Excusez-moi, puis je parle pas beaucoup en même temps, c'est vrai. Mais bon, là, c'est vrai que le gameplay, c'est simple, hein, c'est nettoyer la zone, donc il en reste 7 à détruire. Excusez-moi, puis en même temps, j'ai un médicament dans la bouche, donc. Voilà. Allez, viens là, toi. Tu vas voir, ça fait pas mal. Viens voir, tu vas voir, ça fait pas mal. Tu vas rien sentir, de toute façon, t'as vu la vitesse du truc? Bon. Ça va combien de kilomètres heure une flèche? Excusez-moi. Bon. Donc, je disais, au niveau du territoire. Donc il me reste plus que cette taverne-là à développer. Et une fois qu'on a développé cette taverne-là, il reste plus que les deux mines-là à développer pour verrouiller ces quartiers-là en fait. Mais sinon le niveau de menace est réduit. Hein. Donc là il diminue de 12% par tour. Ici il diminue de je sais pas combien de pourcents par tour. 15 ou un peu moins 7%, c'est ça? Moins 5%, ok d'accord. Il diminue. Alors, simplement on fait le calcul hein. Donc la croissance a augmenté de 7% par jour, la mine de 3% par jour, la tour elle fait diminuer de moins 10% par jour et les gardes font diminuer de 5% par jour. Donc vous calculez le tout, ça fait 5%, il reste 5%. Donc on réduit de 5% la menace par jour. Et là on a une menace à 90% quand même hein. On va s'accrocher à notre slibard. Bon. La foire, la mine et la tour. Ok. Ça va peut-être aller, non? Tout de suite, ça m'agresse, quoi. Bon. Ah oui, c'est vrai. Faut pas que j'oublie, c'est d'empoisonner mes ennemis.
Parce que j'ai un. En gros, j'ai un défi. C'est pour. C'est pour débloquer le dernier maître d'armes. Il faut que j'arrive à empoisonner 50 ennemis. Tout au long du jeu, hein. C'est pas sur une seule partie. Et sachant que l'ennemi que j'empoisonne se retourne contre son camp en réalité. En fait, il devient fou en réalité. C'est pas qu'il change de camp, c'est qu'il est confus. Donc c'est cool de s'en servir contre. Voilà, là au moins lui il est. Voilà, il est confus, vous voyez, il s'attaque à un autre. Voilà, vous voyez, le troll orc. Bon, là, il va s'attaquer à moi, mais sinon, je peux le laisser faire des dégâts chez les autres, quoi. Bon, mais bon, là, vu qu'il a décidé de s'attaquer à moi. Mais voilà, quoi, ça peut être sympa, on. Voilà, le troll là, il va faire des dégâts là. Voilà, hop, là pareil. Les deux trolls, je les ai. Bah ouais, je les ai trollés en fait. Oups, ça c'était ma tronche. Bon. Voilà, bon, il faut. Donc ça va me prendre un petit peu de temps. Je le fais dès que je peux, mais. Voilà quoi, pour semer la zizanie, il n'y a rien de mieux quoi. Surtout contre les trolls quoi. Voilà, là j'ai bousillé le roi troll, je veux dire. Oula, là quand même. Oh merde! Alors je sais pas si c'est compté. De toute façon, il va me le dire quand j'aurai réussi à contaminer 10 ennemis, hein. Mais oh merde, j'ai pas fait attention à ma vie. Ouais, bah résultat, je me concentre sur cette mission et enfin sur cette ouais sur cette achievement là et je fais pas attention. Bon, pour le moment, on va juste nettoyer la zone. Et après c'est vrai que l'idée de voilà quoi, de on attaque les. Ah si, je sais comment on peut faire ça. Attendez, je sais comment on peut avoir cette achievement là. On n'a pas une. Si on trouve une tour quelque part, on se met en haut de la tour et puis on. Voilà, on. Contamine juste. Par Z quand même, ce serait peut-être mieux.
C'est à utiliser vraiment quand voilà quand on a un groupe. Là, ça sent trop mal. Non, mais rends-moi le contrôle de la souris. J'ai pas vu, mais là, il y a la foire. Ok. Coup de main, arrête. Ah. J'ai pas vu, il y a. Ok. C'est là. Mais pourquoi je perds le contrôle de la souris? Ok. Bon, on a au moins quelqu'un pour nous aider. Bon, là, on a... Ok, là, on a un troll. Donc, si je peux... Si je peux le contaminer, je le contamine. Et là, on peut... Bon, on va s'éloigner. Doucement. Le temps qu'ils démolissent le troll. Voilà. Bon, ils l'ont démoli. Mais nous, on peut s'éloigner. Faut que je m'éloigne. Faut que je régène un petit peu, donc. Ouais, ok. Quelque chose là. Ouais, c'est une planque. À juste surveiller sa vie. On sait qui c'est celui-là. Dès qu'il a disparu, on contamine l'autre. Il a pas beaucoup de vie, mais. Ah oui, non, oui, ça le régène en plus quand. Ouais bon, on va se barrer dans la direction opposée. Hein. Bon, là on va se les faire à l'ancienne. Et ben on va faire ça, on va contaminer des trolls en fait. Là-bas, par exemple, voilà, tranquille. Bon.
Bon bah là, il y a deux orques qui ont perdu le contrôle, donc tranquille. Bah voilà. Donc la mine, il reste plus que la tour là-bas. Il me semble qu'on peut voir combien d'ennemis on a contaminé. On a des statistiques normalement, mais voilà, empoisonneur. Alors, normalement, ça devrait être bon. Je l'ai raté. Ok, alors là par contre je vais m'éclater. Oula, ok. J'ai pas vu que l'arc fou était revenu. Allez. Bon, ça a été sympa là, hein, quand même. Normalement, donc j'ai débloqué le deuxième achievement justement de pour les donc pour le dernier maître d'armes. Normalement celui-là c'est un fou que j'avais rendu tout à l'heure, ouais voilà. C'est bien parce qu'en plus il nous rapporte deux fois plus de... Alors ici qu'est-ce qui se passe? C'est les mecs, tout se passe bien? Bon, ok. Et là-bas, deux citoyens. Ok, bon, on se casse. On est parti par la porte du sud et on arrive vers la porte de l'ouest. C'est cool. Ah oui, parce que le territoire, il touche les deux. Donc, n'empêche, la cohérence des maps, elle est super intéressante, toi, je trouve. C'est pas des maps vraiment random, il y a vraiment une architecture, quoi. Donc, l'empoisonneur, j'espère que... Donc on va voir tout de suite si dans l'atelier il a considéré ça comme étant...
Ouais, ok, donc on a le deuxième achievement. Le troisième achievement, c'est les pièges, mais il me faut le dernier maître d'armes pour ça. En fait, quand on aura trouvé le dernier maître d'armes, voilà, on aura la réunion des maîtres, donc on aura débloqué le troisième achievement. Et avec le dernier maître, on a des pièges. Et il faut qu'on piège 50 ennemis. Donc c'est pareil, c'est un achievement. Et après, on a, voilà quoi, on a les mercenaires orques, on a capture, je sais plus ce que c'est. Voilà, ouais, en fait, capture, voilà, c'est comme le. Si vous voulez, le poison qu'on a actuellement, là, il rend l'esprit de l'autre confus. Mais avec capture, en fait, il devient vraiment un allié en réalité. Il va pas nous attaquer, nous, quoi. Donc, c'est encore plus puissant, quoi. Voilà, vous avez un petit peu l'idée du truc. Alors là, on a de quoi, par contre, développer des choses. J'aurais bien envie de développer ça. Ouais, attendez. Non, on va s'occuper des cités. Alors, on a ça, là la menace est trop élevée, va falloir qu'on la diminue. Falloir qu'on la diminue. J'espère que la taverne allait. Attendez. Ouais, normalement la taverne allait à la tour. Elle peut être à la mine, mais. Ah non, il n'y a que la tour ici. Bon, ça fait rien. Bon, bah ça c'est fait. Dès le départ. Là, il y a quelque chose. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est la tour, je suis con. Ah, je me demande s'il n'aurait pas fallu qu'on réduise la menace avant, en fait. Parce que là, ça va être vraiment difficile. J'ai vu que je me suis fait encercler. Flèche de chaque côté du tonneau, tout va bien. Allez, et le dernier mec. Voilà. Allez les mecs, émaniez-vous. Parce qu'on va se prendre une de ces claques. J'ai essayé d'en contaminer un. Contaminer le loup-garou là. Allez. J'ai pas réussi à le contaminer. Eh merde. Bon voilà, comme ça j'ai les deux trolls qui se battent d'à côté. J'adore le combat de troll juste devant le truc quoi.
Il reste un ennemi dans la zone. Il est là-bas. Tout près de la sortie. Ah, c'est pas vrai. Je perds le contrôle de la souris. Le jeu est lancé depuis beaucoup trop longtemps. Et résultat, je... Voilà. Ok, il y avait encore un mec ici, mais bon, ça fait rien. Ok. Ici on est attaqué. Bon. Mais il n'y a pas. Ici il faut que je réduise la menace ici. Il y a pas quoi. C'est... Excusez-moi. Je viens de voir un truc, mais il y a... Non, normalement ça c'est la dernière zone. Hein. Mais je vois qu'il y a une... Normalement, il n'y a pas de... Enfin, bref. Alors. On réduit la menace... non, on va d'abord, c'est... Voilà, Machikouli. Ouais, c'est la menace, hein, c'est pas grave. Ah, on a 22 000 en pognon. J'ai pas vu le pognon qu'on avait, mais... On a du pognon, moi. Ah ouais, non, il va falloir qu'on bâtisse la mine, mais... Oh non, alors, on va réduire la menace et après on ira à la mine. C'est génial, l'empêche de contaminer les trolls. Il est trop loin des autres, hein, ça vaut pas la peine de le contaminer lui. Nickel. Ouais, c'est ça, ouais. C'était éliminer les ennemis simplement. Bon, bah là, on a réduit la menace de 30% quand même. Bon, puis elle a augmenté de 30% ici, mais c'est pas encore trop grave. On en refait un petit coup. Allez, on le refait un petit coup, histoire de rediminuer encore la menace, parce que sinon... Sinon le reste c'est vraiment trop infâme. 66 ennemis à tuer. Voilà, c'est pas des gros ennemis là pour commencer. Je vais s'éloigner un petit peu. Ah mais c'est pas possible ça. Oh tais-toi.
J'ai pas réussi à le contaminer. Voilà, c'est bon. Je vais faire le travail. On passe derrière. Pas bonne idée. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Ils ont réussi à descendre leur troll quand même. Ok. J'ai pas vu que l'autre il me suivait. Mais ça fait rien. Et ben voilà! Bon, voilà, c'est un peu moins infâme comme truc. Allez, on va se faire la mine. Juste pour trouver le dernier maître. Escorte les ouvriers. Bah, c'est cool, les ouvriers, on les a dès le départ. Comme ça, c'est génial. Oula, là, 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 là. Et oh, les mecs. Houston, on a un problème. J'ai la taverne, mais je vois pas où peut être le maître. Je vois pas de point vert à part mes gars. Ok. On va les laisser sortir tranquillement. En attendant, moi je reste dans l'idée de trouver le maître. Le maître manquant, quoi. Il est forcément quelque part. Ça c'est cadeau. Wow, 129 c'est rien. Ah merde, il est où le... Bon, on a un problème, je sais pas où est le dernier maître. Il me manque un maître et je sais pas où il est. Il est dans une des trois dernières tavernes, hein, obligatoirement. Enfin, dans le territoire d'un des trois derniers. Bon. Faut juste le trouver. Ah, faut juste le trouver. C'est chiant parce qu'il va falloir que je refasse trois niveaux pour ça. C'est assez ennuyeux. En plus, ouais, en plus, je peux même pas y aller ici. Enfin,
Attendez, la taverne est là. Ouais, donc je peux me balader dans le faubourg pour trouver, mais parce que oui, donc j'ai pas fait les tours là, enfin l'exploration supplémentaire, mais on peut se balader hein, dans ces zones-là pour effectuer les missions, les micro-missions, hein, vous savez. Ici, on va sur la taverne. Ça nous changera un peu. Bon, ça va, ils en ont déjà dégommé 10 sur les 40. Ok, il y a un troll là-bas. Ouais, j'avais envie de foutre le bordel. Ok. Il en manque un, il est là-bas. Voilà. Je l'ai en beauté en plus. Oh, rends-moi le contrôle de la souris. Bon, il va falloir que je relance le jeu. Ben, je le relancerai là à la fin de cette session de tournage. Parce que la souris, est... enfin comment, quand le jeu est trop, comment, a été lancé trop longtemps, la souris devient instable. C'est un petit bug du jeu. C'est trop fort rien, mais. Ok. Attends, je suis en train de réagir à un truc là, mais. Ouais, non, c'est ça. Alors. On va réduire la. On va continuer avec les gardes, mais ici. On va les monter au niveau 3. Allez, hop, on va rameuter un petit peu tout le monde. Allez! Bon, bah voilà, la souris elle est partie à Perpète les oies. Debout l'archer! Debout. Feignant.
Elle est encore 4. Elle est plus qu'un. Voilà, c'est bien, c'est cool. Allez. Hop. On les termine. Bah les mecs, c'est pas brillant. Regarde-moi bien toi, combien tu mesures? 1m70 chef, 1m70, jamais vu un tas de merde aussi haut. Bon. Bon, c'est encore attaqué de l'autre côté, mais ma location, il était juste là, le maître, mais je l'ai pas vu. Ça fait rien. Mais non, c'est vrai, c'est pas moi qui dois les buter. Allez, hop. Je vais juste buter les plus chiants. À savoir les loups-garous et les mecs en armure, quoi. Voilà, hop, loup-garou. Ok, allez, on libère la zone. Je le fais vraiment pour, enfin, à la fin, hein, pour récupérer une partie de la somme que j'ai, entre guillemets, investie. Voilà. J'ai un doute si j'ai fait la synchronisation ou pas. Bon, ça fait rien. Je trouverai bien. Alors. Et puis la faire à la fin, la synchronisation, pas terrible. Et bon, on va continuer sur la même lancée, hein. On va terminer la taverne. On a le temps de la finir.
Et là, je vous ramène des copains, les mecs. Voilà, le truc c'est se balader quoi, c'est se balader entre les ennemis, puis ben laisser les mecs faire leur travail quoi. Ça va péter la gueule de ces enfoirés! Ok, allez. Bon bah ça c'est fait. Ouais, ça fait quand même un total de 100 jours dans le jeu que je suis. Alors, allez, la tour. Eh ben, vous savez quoi? La tour au prochain épisode. Voilà. Allez, bye bye.